Eh bien, chers amis, nous sommes heureux à nouveau ce matin de vous accueillir sur les ondes de la radio La Voix de l'Espérance. Et nous vous rappelons que nous sommes en enregistrement, nous ne sommes pas dans nos locaux, nous sommes en déplacement et nous voulons donc vous dire que eh bien, vous ne pouvez plus nous appeler. Voilà, désolé pour poser votre question, mais lorsque nous serons donc de retour, eh bien, vous pourrez à ce moment-là nous appeler. Hein. Par contre, nous sommes tout à fait disponibles à répondre à toutes vos questions. Donc, ceux qui nous posent des questions sur les deux plateformes de YouTube et Facebook du Centre Média Adventiste, eh bien, faites-le et soyez libres de les poser et nous répondrons donc à vos questions. Donc, chaleureuse et cordiale bienvenue à vous donc sur les ondes de la radio, La Voix de l'Espérance et sur la toile. Eh bien, j'aimerais aussi donc souhaiter une chaleureuse bienvenue à nos pasteurs donc, qui sont là, deux pasteurs qui sont là, trois pasteurs même. Donc, on va commencer par le plus jeune. Donc, bonjour, pasteur Anoui, et bienvenue donc sur notre plateau de ce partage de la parole de Dieu donc, ce matin. Bonjour. Oui, merci. Bonjour, Georges, et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et que encore Dieu nous puisse nous bénir et nous éclairer à travers ce que nous allons étudier et que cela puisse nous apporter dans notre vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, donc, pasteur Anoui, d'être là. Nous avons aussi donc, notre pasteur Patrice, Yorana, pasteur Patrice. Merci d'être avec nous ce matin et très cordial bienvenue aussi à toi ce matin. Marulo Chote. Voilà, merci beaucoup, donc, pasteur Patrice. Et enfin, pasteur Mathieu, donc, très cordial bienvenue aussi à toi sur ce plateau du partage de la leçon de l'école du sabbat. Bonjour, Georges, et bonjour tout le monde. Que le Seigneur puisse nous accompagner dans tout ce que nous allons vivre pendant cette étude. Voilà, eh bien, chers amis, nous sommes heureux donc de vous accueillir très chaleureusement. Hein. Donc, nous savons que vous êtes nombreux à nous suivre. Donc, très chaleureuse et cordiale bienvenue à chacun d'entre nous. Nous sommes donc à la dernière journée donc, de notre leçon de cette semaine, eh bien, sur le thème donc, la puissance de la prière d'intercession. Et donc, cette prière d'intercession pour les autres et pour nous-mêmes aussi. Hein. Et aujourd'hui, donc, nous allons voir le cœur de la prière. Mais avant tout, j'aimerais demander à notre pasteur Fanoui de nous unir dans la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée que tu nous accordes. Tu nous permets de nous retrouver pour étudier ta parole, pour Seigneur encore te chercher, comprendre Seigneur ta volonté pour notre vie. Et encore Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit afin qu'il puisse nous éclairer, Seigneur. Oui, que tu puisses nous diriger à travers ce partage et que, Seigneur, tu puisses aussi toucher toutes les personnes qui vont écouter cela, Seigneur, le message. Et que ta volonté, Seigneur, puisse se faire dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, voilà, chers amis, nous allons donc avant tout passer un moment à récapituler un petit peu ce que nous avons vu depuis tout le début de la semaine, depuis lundi, donc pour nous. Et je demanderai donc à nos pasteurs, donc Payette et Patrice, de nous faire un petit résumé et une petite introduction, donc un résumé de la leçon et une petite introduction donc pour commencer, donc pour ouvrir notre partage de ce matin. Nous avons vu cette semaine, c'est vrai que la prière est quelque chose de très important, et surtout, c'est la prière d'intercession qui nous permet d'avoir une relation étroite avec Dieu et d'avoir une relation étroite aussi avec les autres. Nous avons parlé aussi que cette prière d'intercession fait partie intégrante de notre mission que Dieu nous a confiée, c'est-à-dire de pouvoir évangéliser, connecter les personnes à Christ et de pouvoir les préparer pour la vie éternelle. Et nous avons vu aussi que, justement, derrière tout ce qu'on est en train de faire, de vivre dans la prière, en arrière-plan, il y a un grand conflit, le conflit cosmique,
ce grand conflit entre le bien et le mal. On a vu hier d'ailleurs, à travers ce conflit, l'exemple de Daniel. Lorsqu'il s'est mis en prière, il y a eu l'ennemi qui est intervenu, qui a voulu s'interposer. Et ça, il ne savait pas vraiment. Il a dû prier, jeûner pendant 21 jours. Et ensuite, lorsque l'ange est venu, il lui a dit, dans Daniel chapitre 10, que dès le premier jour, j'avais entendu tes paroles. Nous avions entendu tes paroles. Mais il y avait Satan, le prince de Perse, de l'Empire Perse, et on sait qu'on avait développé cela hier, que ce prince représente Satan qui voulait empêcher que les choses se réalisent comme ça doit se réaliser. Et l'ange a dû avoir l'aide de Michaël, qui est Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'il intervient en tant que Michaël, ça veut dire qu'il se met au niveau de ses anges pour combattre l'ennemi. Et nous avons cette assurance que lorsque l'on prie, on a de notre côté toujours le Dieu Tout-Puissant à nos côtés et on n'a rien à craindre. On prie pour les autres, on prie pour que Dieu intervienne dans la vie d'une autre personne pour la préparer à la vie éternelle et se mettre sur le chemin de la vie éternelle. On doit se concentrer là-dessus, pas se concentrer sur l'ennemi. L'ennemi est déjà vaincu. En plus, pour nous, après la croix, on sait qu'il est déjà vaincu. Encore plus, une raison de plus pour ne pas craindre lorsqu'on prie. On prie à haute voix, qu'on prie dans son cœur, qu'on prie. On n'a rien à craindre de l'ennemi. Certains, comme on avait dit, ont peur de prier à haute voix, sinon le Seigneur, Satan va entendre leur prière. Si on se concentre sur Satan pour savoir comment prier, on est en train de faire le mauvais chemin. On se concentre sur Jésus-Christ. Quand je suis avec Jésus-Christ, je ne crains rien. Et comme on avait dit aussi, ça arrive des fois dans des circonstances où on est obligé de prier dans notre cœur. Par exemple, lorsqu'on va chasser les démons sur une personne, des fois le démon veut nous empêcher de parler et on essaie d'ouvrir la bouche, on ne peut pas. À ce moment-là, c'est extraordinaire de savoir que même dans notre esprit, on peut prier Dieu à ce moment-là. Et l'ennemi, le démon, s'enfuit. Et donc, on voit que la prière d'intercession est quelque chose de très important. Paul même va encourager les personnes. Et savoir qu'on prie pour une personne ou bien savoir que quelqu'un prie pour nous, nous encourage. Ça ne laisse pas indifférent la personne. Ça ne nous laisse pas indifférent. Ça nous booste encore plus d'aller de l'avant et de tenir ferme parce que nous savons qu'il y a des personnes qui prient pour nous. Voilà un petit peu... C'est un petit résumé que je peux donner jusqu'à maintenant, sachant que le Seigneur, aujourd'hui, il a permis, à travers le Saint-Esprit, d'avoir confiance en lui, de ne rien craindre lorsqu'on prie. Eh bien, je vous remercie, pasteur Payette, pour cette introduction, ce rappel, en tous les cas, de notre leçon de la semaine dernière. Alors, je vois que pasteur Patrice nous a quitté un moment, donc nous allons venir directement sur notre leçon d'aujourd'hui. Alors, notre leçon d'aujourd'hui, c'est le cœur de la prière. Bon, pasteur Patrice est revenu, voilà. Pasteur Patrice, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, nous faire un rappel de ce que nous avons vu depuis le début de la semaine. Merci beaucoup, pasteur Patrice. Merci beaucoup. Pour cette introduction, pasteur Patrice, j'aimerais venir avec pasteur Fanoui. Alors, nous allons faire français-tahitien. Pasteur Fanoui, tout au long de la Bible, l'accent est mis sur la
précision de la prière. Nos prières ne doivent pas être confuses, mais bien structurées, bien ordonnées. Hein. Simples, mais bien structurées. Hein. Donc la prière n'est pas quelque chose de vague. Hein, donc n'est pas quelque chose de vague. Il s'agit de présenter des prières spécifiques à Dieu. Eh bien, pouvez-vous nous donner, pasteur Fanoui, ensuite pasteur Patrice, donc des exemples de prières et surtout durant ces prières-là, ces exemples de prières, quelles ont été les cibles, hein? Bon, on ne peut pas parler de tout, mais voilà, quelques exemples, s'il te plaît. Merci beaucoup, pasteur Fanoui. Oui, c'est vrai, merci Georges. Il est vrai que lorsque nous prions, hein, il est bon de préciser hein, ce que nous demandons à Dieu exactement. Et cela, on peut aussi comprendre dans le sens, mais pourquoi ? Parce que lorsque Dieu veut répondre à notre prière, ben, si on veut savoir si Dieu a vraiment bien répondu à notre prière, et ben, c'est lorsqu'on lui demande des choses vraiment précisément. Hein. Mm-hmm. Bon, un des exemples que l'on peut voir d'une prière où on demande des choses précisément, c'est la prière, j'aimerais prendre tout simplement la prière de Jésus hein, qui va enseigner à ses disciples dans Matthieu chapitre 6, hein, la partie du verset 9. Jésus va enseigner à ses disciples. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ensuite, là, il va enseigner à ses disciples de demander des choses précisément. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. Et ensuite, dans la version de Matthieu, il continue en disant, si vous pardonnez aux gens leur faute, votre Père céleste vous pardonnera, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Ici, dans l'évangile de Matthieu, donc, Jésus va enseigner à ses disciples à demander des choses banales, mais très précises. Hein. Il va dire, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Hein. Ce pain, ben, c'est la nourriture, hein, ce dont l'homme a besoin quotidiennement, mais aussi le pardon des péchés. Et enfin, troisièmement, la force de faire face aux épreuves quotidiennes. Donc, ici, donc, Jésus nous enseigne à demander, voilà, un exemple, hein, c'est des choses très précises, hein, la nourriture dont nous avons besoin, le pardon, mais aussi la force de faire face aux tentations que nous avons. Donc, dans ce monde, comme nous l'avons vu au début de l'école du sabbat, on fait face à ce combat spirituel hein, dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et voilà, Georges, donc juste pour terminer en disant que la prière précise permet de voir, de comprendre si vraiment Dieu a répondu à nos prières. Et Dieu peut nous révéler clairement à travers cela. Si nous demandons des choses précises, nous pourrons savoir si vraiment Dieu a répondu oui ou non à nos prières. Alors que si nous demandons des choses vagues, nous ne pourrons pas vraiment hein, voir est-ce que Dieu a à nos prières. Merci, merci beaucoup, donc, pasteur Michael. Donc, pasteur Patrice, à présent, donc, voilà, nous avons donc des exemples de prières et surtout des prières spécifiques. Hein. Nous devons bien organiser nos prières et surtout parler tout simplement à notre Dieu. Hein? Donc, voilà, est-ce que tu peux nous donner des exemples, soit vécus, soit dans la parole de Dieu, ou bien des types de prières, donc, pour nous ce matin, avec ces cibles spécifiques. Merci beaucoup. Te itera tato iner to te fanhora te pure ne o tamuera no tono nuna te tamari itera e te naro ne o tamuera ia pupu i mo te atua e te meo to te pure atanera
Parce que tu veux être à faire à ton aïe à poupouna, on est moitié à toi et ton tato toi, il faut à faire à poupouna tato tato à poule et moitié à toi et dire qu'il y a toi et pas non, ouais, tout va non là. Il faut au ratato, il y a rien à tato trapoule et arrête là, il faut au ratato hapat ou tout tira à tato et oranet. Notre y a hamal ou tato tiato des peuples et fanora. Voilà, merci, merci beaucoup, donc, pasteur Patrice. Hein, donc, pasteur Michael, donc, jusque-là, nous avons parlé des prières d'intercession donc, pour les chrétiens, donc, pour les saints. Hein, eh bien, pouvons-nous aussi plaider, jusque-là, on plaide hein, pour ces personnes qui connaissent Dieu, mais est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons aussi plaider pour ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu ou bien qui ne veulent pas le connaître. Merci, merci beaucoup, pasteur Fanou. Merci, Georges, pour ta question. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, donc, on a l'habitude d'appeler voilà, pour nous et puis aussi pour les membres de l'Église. Mais est-ce que devons-nous prier pour aussi ceux qui ne connaissent pas Dieu, eux Je vais prendre encore une fois l'exemple de la prière de Jésus. Hein. Dans la prière de Jésus, dans l'évangile de Jean, dans la prière de Jésus, on est beaucoup coupé. Pasteur Michael, ça coupe. Oui, voilà, on est beaucoup coupé. Vous m'entendez? Ah, ça va mieux là maintenant. Tu peux reprendre, s'il te plaît. Merci beaucoup. Hein. L'exemple de Jésus nous répond en fait à sa question. Hein. Mm-hmm. Donc dans sa prière, dans l'évangile de Jean, va prier premièrement pour lui, pour ses besoins. Hein. Mm-hmm. Et ensuite, deuxièmement, Jésus va prier pour ses disciples. Donc, il va intercéder, hein, cette prière d'intercession, afin que Dieu puisse les préserver du mal. Et enfin, troisièmement, Jésus va prier aussi pour tous ceux qui croiront en lui. Donc, dans cette troisième partie, Jésus prie aussi pour tous ceux qui ne sont pas encore hein, dans l'Église, pour tous ceux qui sont encore sur le terrain de l'ennemi, qui sont encore dans le camp de Satan. Donc, est-ce que nous devons prier pour ceux qui ne croient pas encore en Dieu, ben oui, hein, Jésus nous a montré l'exemple. Nous devons prier non seulement pour nous, pour nos besoins quotidiens, notre pain, notre nourriture, tout ça. Deuxièmement, prions aussi les uns pour les autres, hein, comme nous avons vu aussi avec l'exemple de l'apôtre Paul, où il va dire, prier pour tous les saints, mais aussi pour moi, afin que je puisse annoncer la parole. Hein. Mm-hmm. Donc, prier pour les membres d'église. En fait, troisièmement, Jésus nous enseigne à prier aussi pour ceux qui ne sont pas encore dans l'Église. Priez pour, voilà, afin que Dieu puisse aussi agir dans leur vie. Merci donc, beaucoup, donc, pasteur Fanouille. Hein. Maintenant, pasteur, pardon, pasteur Patrice. Voilà, donc, voilà, jusque-là, hein, on prie, on intercède pour nos amis, notre famille, les chrétiens que nous sommes, mais est-ce qu'on peut aussi intercéder auprès de Dieu donc pour ces personnes qui ne le connaissent pas, ceux qui ne veulent pas le connaître. Donc, est-ce qu'on peut aussi intercéder pour ces personnes-là? Merci. Mmh.
Voilà, merci, merci beaucoup, donc, pasteur Patrice, hein, pour ce beau témoignage. Hein. Donc, c'est très rare que j'utilise donc, les textes d'Ellen White, et je me permets donc, aujourd'hui de lire un texte d'Ellen White qui décrit la puissance de la prière par ses paroles. Donc, voici ce qu'elle dit. « Satan ne peut supporter qu'on ait recours donc, à son céleste rival, car il tremble devant sa majesté. À l'ouïe de la prière fervente, toute l'armée de l'adversaire est saisie d'effroi. » Donc voilà, pasteur Payette, hein, une belle déclaration donc, d'Ellen White. Et j'aimerais donc te poser cette question. La prière a un tel effet sur Satan et sur ses anges. Donc voilà. Hein, donc... nous connecter à la source de la puissance divine dans la bataille pour les âmes des hommes et les femmes perdues. Donc, c'est possible de le faire au travers de la prière. Oui, comme on l'a dit depuis le début, hein, il y a, quand on prie, on entre en contact avec Dieu et on est en relation intime avec Dieu. C'est Jésus qui vient, qui intervient, comme on l'a vu hier. C'est Jésus qui veut vraiment faire partie intégrante de notre vie. Il se lève comme un chef de l'armée, sous le nom de Michael ou bien de Michel, et on n'a rien à craindre. Il est tout puissant à nos côtés, et aujourd'hui, à travers le Saint-Esprit, nous n'avons rien à craindre parce qu'il veut combattre à notre place. Et donc, quand on prie, bien sûr que si on est sincère, et là je parle bien de la prière sincère qui veut élever Dieu dans sa vie et qui veut, comme motivation par amour, à sauver les âmes, ben c'est sûr que Satan tremble lorsqu'il voit qu'on utilise véritablement et sincèrement et honnêtement la puissance qui est mise et la personne qui est mise à notre disposition, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Mmh. Et c'est là qu'on a tout à gagner d'avoir une relation étroite avec lui. Et justement, cette relation étroite dépendra du cœur. Quand on prie, des fois, on prie
peut-être parce qu'il faut prier, mais si on prie sincèrement, il n'y a rien à craindre. Il y a quelques exemples qui nous est donné dans l'école du sabbat, lorsque on se rappelle dans Samuel, hein, lorsque le peuple avait demandé un roi, et il y a le peuple de Dieu qui disait à Samuel, ben, tu sais, Samuel, on sait que tu pries pour nous et tout, mais surtout, si tu pouvais prier parce que à nos péchés, on a rajouté un autre péché. Mmh. On a demandé un roi au lieu d'accepter que Dieu soit toujours notre roi. Ils avaient demandé un roi et on a donné Saül. Hein. Mmh. Et donc, et c'est là la réponse de Samuel extraordinaire, parce que la réponse de Samuel, elle va dire, l'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. 1 Samuel 12, versets 22 à 24, et dit « Loin de moi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car vous voyez quelle puissance il déploie pour vous. » En quelque sorte, lui, il persévère dans la prière. Ça rappelle un petit peu ce que Paul dit dans Romains chapitre 12, verset 12, persévérez dans la prière. Soyez patient dans l'affliction quand on souffre, mais persévérez dans la prière. Dans aux Colossiens aussi, il va dire persévérez dans la prière et veillez-y avec action de grâce. Dans Colossiens 4, verset 2, il va parler de continuer à prier, de ne pas baisser les bras. Ça ne veut pas dire qu'on doit répéter la même chose, mais c'est parce que c'est le cœur qui parle et qui crie à l'Éternel. Et qui veut rentrer en contact avec l'Éternel. Et ça qui est extraordinaire. Donc, ça va influencer, bien sûr, notre vie. Ça va influencer la vie de la personne pour qui on prie aussi. Mm-hmm. Et Satan, là, est désarmé, en quelque sorte. On n'a rien à craindre parce qu'on a les armes, à ce moment, du chrétien, qui sont utilisées convenablement par la prière. Mm-hmm. Et c'est là que... voir comment... On avait parlé déjà de cela pendant cette semaine... La prière doit être quelque chose qui vient du cœur. C'est comme si on respire, on ne réfléchit pas, mais la prière, c'est pareil. C'est on parle à quelqu'un qu'on aime. Mmh. On ne va pas essayer de... C'est vrai qu'on dit qu'il faut structurer. Mmh. Si je reprends l'exemple de Pasteur Fanoui, n'oublions pas qu'il est en train de parler à des enfants qui vont apprendre à prier. Mmh. Les disciples vont dire, enseigne-nous à prier parce qu'apparemment, on ne prie pas comme toi. Mmh. Et le Seigneur leur donne un exemple. Et on a vu il y a avant-hier que ce n'est qu'un exemple. Comme Pasteur Fanoui a pris, il y a d'autres exemples de prière. On voit que Jésus ne va pas réciter le Notre Père dans tous les moments de la vie. J'ai un mal aux dents, je vais prier le Notre Père. Je vais couler dans la mer, je vais prier Notre Père. C'est pas ça. C'est le cœur qui parle. Moi, j'aime bien les deux plus petites prières de la Bible, hein. Il y a un dans l'Ancien Testament, il y a un dans le Nouveau. Mm. Dans l'Ancien Testament, c'est quand Samson va être attaché au poteau et va être humilié. Et là, il va faire une petite prière dans Juges chapitre 16, verset 28. La prière très courte, hein. Il ne va pas dire... Bon, vous allez me dire qu'il n'y avait pas encore le Notre Père à ce moment-là, mais il n'a pas récité quelque chose qu'on l'a appris depuis tout petit. Parce que les grands maintenant, il sait... formuler ses phrases selon ce qu'il ressent et ce qu'il vit. Et dans Juges chapitre 16, et le verset 28, il va dire ceci. Il va dire, il dit, Seigneur éternel, sauve-toi, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois et qu'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Donc, il ne va pas réciter quelque chose de machinal, il parle de ce qu'il est en train de vivre et de son besoin à ce moment-là. Je prends une autre petite prière. Des fois, on croit que, et pourtant, avant de parler, d'expliquer la prière, Jésus va dire dans Matthieu chapitre 6, « Lorsque vous priez, ne multipliez pas les paroles comme quelques-uns le font, croyant qu'en multipliant les paroles, ben, ils seront exaucés. » On n'a pas besoin de faire de grandes prières. On parle selon notre cœur, surtout quand on est tout seul. Hein. Quand on est en public, bien sûr, il faut savoir être court et direct. Pensons aux autres aussi qui ont du mal et qui sont vieux et tout, etc. Mais quand on est tout seul, il faut être aussi clair. Et
il y a un texte, vous vous rappelez que c'est une prière, la plus courte prière de la Bible du Nouveau Testament, c'était Pierre qui l'a fait quand il était en train de couler dans Matthieu chapitre 14, verset 30. Mm-hmm. Il était en train de couler, marcher sur les eaux, il a eu peur, il coule, et là il ne va pas commencer à dire « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne », mais il aurait bu la tasse, il se serait noyé. Mm-hmm. Avant de dire Amen. Au contraire, la plus courte prière, c'est quoi ? Seigneur, sauve-moi. Mm. Est-ce que le Seigneur a dit, ah, tu as oublié de dire Amen, tu as oublié de faire l'introduction, tu as oublié de dire, ne nous induis pas en tentation, parce que là, il aurait coulé, comme à ce moment-là, Pierre. Mais là, il a crié seulement, son cœur a parlé. Seigneur, sauve-moi. Est-ce que le Seigneur est intervenu ? Oui, bien sûr, il est intervenu, il a tendu la main. Et il a sauvé Pierre. La prière, c'est pas perdre de vue que montrer que on sent notre dépendance à Jésus-Christ. Mmh. On a besoin de lui en tout temps, parce qu'on sait que dans ce monde, on n'est rien et on pourra pas combattre le véritable ennemi qui est derrière tout cela, c'est-à-dire Satan. Mais nous prenons conscience que nous sommes en sécurité entre les mains du Tout-Puissant. Mmh. Et quand on sent cela, et on voit nos amis, on voit nos enfants, on voit notre femme, on voit notre mari qui ne croit peut-être pas en Dieu, qui ne prie même pas peut-être, c'est l'amour qui doit nous emparer à ce moment-là pour dire « Je veux prier pour ces personnes que j'aime et je veux les sauver aussi. Je veux que Dieu les sauve, que le Tout-Puissant intervienne. » Et c'est là que la prière devient efficace et que Satan, il va essayer de combattre, mais le Tout-Puissant, on sait qu'il sera toujours là à résister et on n'a rien à craindre. Ok, merci. Merci beaucoup, pasteur Payette. On a bien compris que, voilà, que ce soit une longue prière simple, structurée, ou bien une prière super courte, mais qui va à l'essentiel. C'est ce qui est important, en tous les cas, que je voudrais retenir donc, de ce que tu viens de dire. Pasteur Patrice, est-ce que tu peux nous dire vraiment voilà, hein, ce que je lisais donc, d'Ellen White, hein, Satan donc, qui tremble, hein, il ne peut pas supporter qu'on ait recours donc, à son rival, donc, qui est Christ, comme si c'était... comme si c'était légal, en fait, Christ est au-dessus de lui, bien sûr. Hein, voilà. Mais parce qu'en fait, il tremble hein, devant la majesté de Christ. Et quand il entend nos prières ferventes, eh bien, toute l'armée de l'adversaire est saisie d'effroi. Donc, voilà la puissance de la prière d'intercession, Patrice. C'est comme ça. Oui. Tene nā mua rena roha tia hoi a amu tira ho pai tātoro me tua pai e te whahitira pai a. Te vera pai e rato hoi u tua whare, e rato tira u tua whare merhei rō rato ua. E te oro amai o rato te e whanhao rā no te tamini o tia tō rato tō vine. Whatea hea mane iau te ia amu, te vera pai ti te mō whai a pāri tō tātou mea uro pai nā rato ia pure nā rato e mea roa pai te pure. E pinipine rā i atana ki te mō te me te taparam hana, te pō e pure ona, rurupōru ona tāna pātumari i pēsho i hana. Tēnei urtora tāna pure, e pure ona no tamo animarat o ano ti te no tāra nā whiti tamari pōro. E te pure, e te pē harinopo, e prau nopo e te ie tā e te ie mea papa. E arara nā me tumata o te ie mea papa, te tēro ona tāna pātumari te o tōra, te vere ki te wo hoi i tua, on tere a te pai mauroa. E watanu hata aparo, e yaroe na tato hoi pure roa roa, e fiu to hoa te tata, tua, e whātano no hoa tato te pure hora e roto trimo ki atua. Tene, tata mi tau e whahitira, mi tau e whahitira na ta te e puta pai te tau e tai umai nei. I roto no to hoa roto te a au pai o te tata, ia pure na ona, e te toho te aparo e whāro. Tēnei a pure nā oe paraparam nā oe e whāro me ki te aporo e hata mea te aoe paraura. E i te hoa tātou roto te whanhara roto te pure, e matau hoa te mea te mō mērhei ato i a pure nā oe e tūwa, e te arua tū tera iwane pene ahuru mahi tūwa, te vera hoa te mō mērhei te ria te mei wa riro te ria te mei nā ratou te hoa e tau ara parau e rato e tō rato whatupoe o i e tūmei tia,
Ok, merci, merci beaucoup donc, Pasteur Patrice, hein, pour tes explications. Hein. Alors, j'aimerais, Pasteur Anoui et donc Pasteur les deux autres pasteurs aussi, j'aimerais comprendre un petit peu. Hein, donc, nos prières donc sont une puissance. Donc, pour intercéder, pour que les puissances célestes puissent intervenir, intercéder, agir dans la vie des personnes, eh bien, comment comprendre que, eh bien, par rapport à nos prières et la volonté de Dieu, souvent, lorsque nous prions, eh bien, c'est peut-être pas la volonté de Dieu. Comment faire En tous les cas, Dieu fait sa volonté dans nos vies. Comment faire pour que nous ne soyons pas en dissonance par rapport à la volonté de Dieu? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que quelque part, on n'est pas en train de forcer la main de Dieu dans nos prières? Voilà un petit peu. Hein. Donc, est-ce qu'on est en phase avec la volonté de Dieu et est-ce que parfois, on n'est pas en train de forcer la main de Dieu? Donc, merci beaucoup, Pasteur Fanoui, de répondre à cette question. Voilà, merci Georges. Donc pour répondre à ces questions, mais juste avant de répondre à mm-hmm. cette question, j'aimerais juste revenir sur un point concernant la prière en faveur de ceux qui ne croient pas en Dieu, ou même en faveur de ceux, par exemple, qui nous persécutent. Hein, voilà, qui sont complètement là dans le coin ennemi qui nous persécutent. J'aimerais juste lire le verset de Matthieu chapitre 6 où Jésus va dire à ses disciples. Hein, vous avez entendu de dire tu aimeras ton prochain, tu détesteras ton ennemi, mais moi je vous dis aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Mm-hmm. Et pourquoi Jésus va dire cela? Pourquoi est-ce que Jésus nous enseigne aussi à prier pour nous, à prier pour nos frères et sœurs, et carrément à prier hein, pour nos ennemis, pour ceux qui nous font du mal? Et lorsqu'on regarde la vie de Jésus, Jésus a donné l'exemple, hein, lorsqu'il était sur la croix. Il a prié pour ceux qui l'ont crucifié. Hein. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur hein, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mm. Et par la suite, lorsqu'on continue l'histoire, hein, lorsque Jésus va mourir, il va mourir, il y aura un grand tremblement de terre. Et là, un officier romain qui était à côté de la croix va déclarer, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Mm. On peut se poser la question, mais comment cet officier romain a-t-il pu hein, wow, lui qui a crucifié Jésus, comment il a eu ce changement? Qu'est-ce qu'il a pu aider hein mm-hmm. Et bien, on peut comprendre que c'était aussi grâce à l'intercession de Jésus, hein, à travers cette prière, à travers son exemple, sa vie. Parce qu'il a prié pour lui, et bien, il a pu reconnaître que Jésus vraiment était le Fils de Dieu. Un deuxième exemple, et le disciple Étienne. Bon, le texte ne le dit pas, hein, mais lorsqu'il va mourir, enfin, ne dit pas qu'il a prié pour cette personne. Mais dans le livre des Actes, au chapitre 7, lorsque Étienne va mourir, il va refaire la même prière de Jésus. Il va dire, Seigneur, ne leur tiens pas compte de cet acte. Hein. En d'autres mots, voilà, pardonne-leur aussi parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et lorsqu'on continue la lecture du livre des Actes, au chapitre 8, nous voyons Saul qui était là et qui a prouvé le meurtre d'Étienne. Et par la suite, nous voyons que Dieu est intervenu dans sa vie et là, sur le chemin de Damas, hein, il est apparu et il s'est converti au Seigneur. Donc, lorsque Dieu nous demande de prier pour nos ennemis, peut-être on ne voit pas peut-être l'utilité, on ne voit pas l'aboutissement, mais Dieu, lui, il connaît l'aboutissement et il sait pourquoi est-ce qu'il faut qu'on prie pour ses ennemis, il sait pourquoi est-ce qu'il faut qu'on prie pour tous ceux qui nous persécutent, parce que Dieu aussi peut agir et peut transformer ces personnes. Amen. Merci. Pardon, voilà. Et pour revenir à ta question, Georges, comment, hein, lorsque nous prions, parfois, est-ce que nous sommes dans la volonté de Dieu hein? C'est ça. Alors, est-ce qu'on n'est pas aussi en train de forcer la main de Dieu hein?
Est-ce que nous sommes parfois pas en train de forcer la main de Dieu, hein? Alors, c'est vrai que malheureusement, parfois, nous sommes des humains et parfois, il nous arrive, hein, malheureusement, de payer pour des choses parfois qui ne sont pas, hein, là, selon la volonté de Dieu. Et comme l'exemple que Pasteur Payet avait dit, hein, de ce peuple d'Israël, lorsqu'ils ont demandé un roi, hein, ils ont demandé à Samuel, avant qu'il meure, hein, donne-nous un roi, hein, parce que voilà, tes enfants, là, ils font n'importe quoi. Mm-hmm. Voilà, on veut être comme les nations, hein. Et Dieu va dire à Samuel, hein, bon, hein, même si ce n'est pas ma volonté, hein, ben, écoute quand même, donne-leur, hein, mais dis-leur toutes les conséquences, hein, qui vont advenir de cette demande. Donc, parfois, oui, nous sommes au contraire à la volonté de Dieu. Et dans son amour, hein, dans son amour de paix, parfois Dieu répond à nos prières. Mmh. Et des fois non. Hein, des fois, Dieu ne permet pas de répondre à nos prières. Hein. Et voilà, donc, juste pour terminer, Georges, l'exemple de Jésus. Hein. Mm-hmm. Jésus, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémané, il sera aussi dans cette lutte. Hein. Avant d'être crucifié, il va dire, Seigneur, si ce n'est pas possible, cette coupe s'éloigne de moi. Hein. Donc mm-hmm. là, il y a ce désir aussi humain, on va dire, hein, oui. de ne pas boire cette coupe. Mais il va dire, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Et là, Jésus encore nous montre l'exemple, hein, dans le sens où parfois nous avons des désirs et... Parfois, on ne sait pas si c'est la volonté de Dieu, mais Jésus nous enseigne, on dit non, que ta volonté soit faite, Seigneur, mais pas la mienne. Merci. Voilà. Merci beaucoup, donc, pasteur... pardon, pasteur Anoui. Hein. Donc, pasteur Patrice, hein, est-ce que nous sommes en phase avec la volonté de Dieu lorsque nous prions, ou bien est-ce que nous ne sommes pas en train de forcer la main à Dieu, comme si on pouvait forcer la main de Dieu. Hein? Merci beaucoup, pasteur Patrice. Oh, Yahweh, tu Donc, merci beaucoup, pasteur Patrice. Il est vrai que souvent, nous avons beaucoup prié pour un sujet, pour un thème ou bien pour une personne, et ensuite, nous avons oublié ces prières et on voit par surprise, hein, agréable surprise, que Dieu a répondu quelques années à nos prières formulées donc, il y a un certain temps. Pardon. Donc, pasteur Payet, j'aimerais aussi te poser cette question. Est-ce que nous sommes en phase par rapport donc à nos prières avec la volonté de Dieu, ou bien parfois nous sommes complètement à l'opposé de la volonté de Dieu et on vient un petit peu forcer la main de Dieu? Merci beaucoup, pasteur Payet. Oui, je rejoins tout ce que mes collègues ont dit. C'est tout à fait vrai. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Déjà, si on remonte déjà dès le début, on pourrait prendre même l'exemple de ce qui me vient à l'esprit, c'est Isaac et Rebecca. Mm-hmm. Lorsque justement il y a eu Jacob et Esaü, il y avait Isaac qui aimait
Ésaü et Rebecca qui aimait Jacob, hein, dans Genèse chapitre 25, verset 28. Et on sait qu'est-ce qui s'est passé par la suite. On sait que normalement, c'était Jacob qui était choisi par Dieu, vu sa façon de vivre, sa vie spirituelle et tout. Et Ésaü, lui, il ne voulait pas perdre de vue que lui préfère Ésaü. Même s'il voyait qu'Ésaü faisait n'importe quoi de sa vie, pour lui, il s'est focalisé sur Ésaü. C'était son désir, ce n'était pas la volonté de Dieu vraiment. Mais la chose, c'est que ben, là déjà, on voit qu'il y a un problème. On est un patriarche, on est un représentant de Dieu à ce moment dans le foyer, dans la famille et dans la tribu. Et finalement, ben, on fait un petit peu qu'à notre tête aussi. Et même Rebecca, hein, Rebecca, bien que c'était la volonté de Dieu que Jacob soit celui qui soit choisi, ben Rebecca, il a forcé un petit peu la main de Dieu. Et on reconnaît le résultat par la suite. Elle ne verra plus jamais son fils. Hein. Elle va mourir même et ne plus voir son fils, qui va devoir fuir devant Ésaü. Donc, on voit des fois qu'on force la main du Seigneur. Aujourd'hui, pour les jeunes, surtout, on voit ça. Et quand il s'agit de sentiments, on voit ça. Que ce soit dans l'Église, que ce soit chez tout être humain, malheureusement, on mélange la volonté de Dieu et les sentiments qu'on a. On parle de sentiments, c'est très, très dangereux. Et qu'on dit sentiments relationnel ou sentiment de les amourettes, là, comme on dit. Vous savez que quand on est amoureux, qui n'est pas passé par là, des fois, si on est un homme, un jeune homme, on voit une jolie fille, là, on se dit, waouh, ça doit être elle, élue de mon cœur. Et notre prière, c'est quoi, souvent? Seigneur, fais que ce soit elle. C'est pas, Seigneur, ben, peut-être c'est elle, ou... Souvent, c'est, Seigneur, fais que ce soit elle, montre-moi des signes, pour être sûr. Et des fois, quand on termine la prière, on voit des signes partout. Alors que des fois, ça ne vient même pas des signes de Dieu. Et c'est ça le problème avec nous, c'est que les sentiments jouent un grand rôle. Qu'il s'agit dans l'Église de, par exemple, intervenir pour faire mettre de l'ordre, pour dire, bon, ben, il y a des choses qui ne sont pas acceptables, qui salient l'Église même de Dieu, comme Paul a dû intervenir chez les Romains, les chrétiens romains, chez les chrétiens surtout de Corinthe et tout, ben, il a dû intervenir pour dire non, il faut arrêter, enlever le péché du milieu de vous. Mais comme aujourd'hui, certains disent, oui, mais ça c'est mon frère, ah, ça c'est ma soeur de sang, ah, ça c'est ma cousine, ah, ça c'est mon oncle, c'est ma tante, il faut être amour. Et on met de côté la justice et on se concentre sur l'amour, alors que l'amour et la justice de Dieu sont deux choses qui ne peuvent pas être dissociées. Sinon, on enlève le jugement du temps de la fin, hein? Enfin, à la fin des temps aussi. Donc, on voit que l'amour implique aussi un jugement pour sauver et un jugement pour mettre de côté le péché. Et c'est ça qui est très important de se rappeler que, ben, des fois, malheureusement, on se laisse influencer par nos sentiments, mais pas par Dieu. C'est pour ça que je dis toujours, quand on prie pour quelque chose ou bien pour recevoir quelque chose, tant que ce n'est pas clair à 100%, mieux vaut pas se lancer. Parce que c'est comme les feux de la route. Il y a vert, ça veut dire c'est clair, c'est à 100%, on voit que c'est Dieu qui intervient. Et là encore, il faut écouter, il faut tendre l'oreille aussi aux personnes qui sont autour de nous. Peut-être Dieu va les utiliser aussi pour nous éclairer. Et si c'est orange, on ne doit pas avancer. On ne doit pas se lancer. Et quand c'est rouge, c'est rouge. Hein. Quand c'est rouge, ça veut dire Dieu dit non. Il y a Paul qui a voulu être guéri et il a dit par trois fois, ben, guéris-moi, je pourrais évangéliser encore plus loin que l'Asie mineure. Ben, par trois fois, le Seigneur était très gentil pour lui dire, ma grâce te suffit. Sous-entendu, ben, tu ne seras pas, je ne te guéris pas. Donc, il faut accepter aussi le non. Mais nous, on est comme des enfants, des gamins. On n'aime pas entendre non. Depuis tout petit, on n'aime pas quand maman et papa nous disent non à quelque chose qu'on veut. Mais quand on est grand, on est pareil aussi. Et malheureusement, des fois, ce non, parce qu'on ne veut pas entendre non, on le traduit, on voit des signes partout. Et on dit, ah, c'est Dieu qui m'a... Et il y aura toujours des conséquences. Le plus important, c'est quand les conséquences arrivent aussi, c'est de se reprendre et de reconnaître qu'on n'a pas suivi la volonté de Dieu. Parce que Jésus lui-même, hein, et c'est ce beau texte, hein, qui dit que
comme dans Jean chapitre 17 que Pasteur Fanouille a utilisé, que ce ne soit pas moi qui, ma volonté qui se fasse, mais ta volonté. Mm-hmm. Donc, il faut vouloir toujours que ce soit la volonté de Dieu qui se fasse, même si profondément, sentimentalement, au fond de moi, je voudrais, je désire avoir ça. Je voudrais que ça se passe comme ça. Mm-hmm. Mais si c'est non, c'est non. Il faut l'accepter. Et c'est l'acceptation qui est dure. Mm. Mais la victoire est derrière et juste après. Merci, merci beaucoup, donc, Pasteur Payette. Donc, nous allons faire un tour de table, donc, en commençant par Pasteur Fanouille. Hein, donc, je vous remercie infiniment donc, pour votre participation ce matin. Donc, alors, soit une dernière idée, soit le mot de la fin, Pasteur Fanouille. Merci beaucoup. Oui, merci, Georges. Alors, pour le terminer, j'aimerais juste... voilà, une continuation un peu de ce que aussi Pasteur Payet disait, dans le sens où nous avons aussi à apprendre, hein, à apprendre, lorsque Dieu nous dit non, à accepter. Hein. Mm-hmm. Des fois, pourquoi des fois Dieu ne répond pas à nos prières aussi, parfois il a meilleur, hein, il a quelque chose de meilleur pour nous. Hein. Et pour cela, j'aimerais bien juste lire aussi un verset, surtout dans... Éphésiens chapitre 6, premier verset. Voilà. Éphésiens chapitre 6, hein, le verset 18. Prions tout le temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Mm-hmm. Pour ce faire, restez éveillés et consacrez-vous toujours assidûment à supplier pour les saints. Là, ici, ce que j'aime bien dans ce verset, c'est que Paul nous invite à prier en tout temps, que ça soit, au travail, que ça soit à l'école, que ça soit dans tout ce que nous faisons chaque jour, que nous puissions avoir cette attitude de prière et de connexion avec Dieu. Hein? Mm. Parce que comme nous l'avons vu cette semaine, qu'aujourd'hui, nous faisons face à ce conflit, nous sommes dans ce conflit cosmique, et nous avons besoin à chaque instant de cette présence de Dieu dans notre vie, de ce Saint-Esprit, et que nous avons besoin que Dieu puisse nous aider chaque jour de notre vie, mais aussi dans chaque moment que nous faisons face à des tentations, que nous faisons face à des épreuves, que nous puissions toujours garder ce contact avec Dieu chaque jour et lui demander dans une prière, peut-être une prière dans notre cœur, hein? Mm-hmm. Une prière dans notre cœur en disant « Seigneur, sois avec moi, aide-moi ». À traverser cette épreuve, aide-moi, Seigneur, à résister à cette tentation. Ou, Seigneur, aide-moi à répondre de la meilleure façon à cette parole qui vient de me dire, mm-hmm. à ce frère peut-être qui me fait du mal ou quoi que ce soit. Aide-moi, Seigneur, à le pardonner. Voilà, que nous puissions garder cette attitude de prière chaque jour et ce contact avec Dieu afin qu'il puisse nous aider à faire face à toutes ces tentations que nous faisons face, à toutes ces épreuves que nous avons dans notre vie. Merci. Voilà, Georges. Pardon. Merci beaucoup, donc, Pasteur Fanouille. Donc, à présent, Pasteur Patrice, le mot de la fin ou bien une dernière pensée? Merci beaucoup. Voilà. Donc, il faut dire que tu m'as proposé Mhana. Donc, merci beaucoup, Pasteur Patrice, hein, donc pour ce mot de la fin. Donc, Pasteur Payette, ton mot de la fin ou bien une dernière idée à développer? Merci beaucoup. Je voudrais juste prendre Luc chapitre 11. Justement, lorsque les disciples ont demandé justement à Jésus, enseigne-nous à prier, comme j'ai aussi l'enseigné à ses disciples, et Jésus va leur raconter, même leur expliquer certaines choses concernant une petite histoire, concernant le fait de pouvoir être prêt
à tout temps à aider son ami, à répondre aux besoins de son ami. Et c'est là qu'au verset 9, il va dire, « Eh bien, moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande, reçoit, qui cherche, trouve, et à qui frappe, on ouvrira. » Et c'est là qu'il va faire comprendre que si nous, méchants comme nous sommes, quand notre enfant demande un poisson, on lui donne pas un serpent, et qu'il demande un œuf, on ne donne pas un scorpion, combien plus forte raison notre Père Céleste donnera-t-il par l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent s'il a besoin de quelque chose. Au verset 13. Donc c'est extraordinaire de se rappeler que Dieu, en fin de compte, n'attend que nous puissions rentrer en communion avec lui. Il sait ce qu'on a besoin, mais il ne peut pas intervenir tant qu'on ne le demande pas. Par grâce, des fois, il intervient même sans qu'on demande. Mais ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions ouvrir notre cœur et lui dire véritablement ce qu'il y a dans notre cœur et ce qu'on voudrait, et rechercher aussi ce qui est mieux pour nous, et qu'on soit prêt à accepter ce qu'il nous donnera. Voilà. Merci, merci beaucoup donc les pasteurs de nous avoir menés dans cette discussion, dans ce partage de la leçon de l'école du sabbat d'aujourd'hui. Eh bien, nous vous donnons rendez-vous demain, sabbat, donc vers les 9h20, donc pour le résumé de toute la leçon pendant une heure de temps. Et nous vous souhaitons donc un très bon week-end. Donc demain, le rendez-vous à 9h20. Et la semaine prochaine, donc toujours à partir de 10h jusqu'à 11h. Eh bien, nous vous disons au revoir, bon week-end. Et donc, nous prions avec pasteur Patrice. Nana. Μαρουά τε πατού νο τε γέμω φανόρα τα χρωμενέου το τοματό ουρά α τρικιάνο βαχαπή με όια ματού να γε ματού για πουπού τα ματού μου ενή λαϊμό για όε έτε γε τεμέ ματού τι τότα που πατά όε προ για να νέτε ρια φαϊ παγιέρ το τοματό ουρά α θα μαϊτε όε τμο φαϊ παρομέ το τα όε χαπήρα τα πατή για να νέτε τρούτο όε τώρα το μου ούτω ακρέ Tutto yara tutto chora ataratu yorani. Tomato patu te tamatu pure, paure tamatu haranate itumikiara. Amen.